Bonjour, donc je m'appelle Mélanie Guenet, je viens de l'Université Paris-Saclay. Je vais vous parler aujourd'hui d'un thème de sciences et sociétés, et plus particulièrement de la réforme du lycée et de ses effets sur la formation en maths et en sciences. Donc, la réforme du lycée, elle a été mise en place en 2019, elle supprime la notion de série, elle crée un système à la carte. Donc l'élève a un tronc commun de 16 heures et puis 12 heures de spécialité, qui choisit parmi trois spécialités en première, il en abandonne une en terminale, donc il en garde deux. Dans le tronc commun, il faut savoir qu'il n'y a pas de sciences, il n'y a pas de maths, il y a un enseignement de culture scientifique générale de 2 heures. Et donc, si on regarde les premières conséquences sur la réforme sur les maths, c'est que logiquement, on a un abandon des maths qui grandit, qui multiplie par 3, qui conduit à 140 000 élèves qui arrêtent les maths dès la fin de seconde. Ça pose le problème du bagage de mathématiques pour les citoyens, en particulier pour les enseignants, les futurs enseignants du premier degré. L'abandon est plus fort chez les filles, et si on regarde ce qui se passe sur la part des filles dans les parcours maths en terminale, on voit qu'il y a un décrochage de la part des filles dans tous les parcours maths en terminale. Et ça, c'est quelque chose qui a un recul très grand dans la lutte contre les inégalités filles-garçons, qu'on retrouve, donc ces deux effets, on les retrouve aussi en sciences. Et si on regarde ce qui se passe pour les élèves qui suivent deux disciplines scientifiques en terminale, on voit qu'il y a une baisse d'effectifs d'un quart à peu près en terminale, qui est plus marquée chez les filles, donc il y a aussi une aggravation des inégalités filles-garçons, et qui est encore plus fort si on rajoute la spécialité maths en terminale. Donc on va regarder ensuite quelles sont les causes, et voir que en fait, les causes sont principalement dues au changement de structure du lycée, et puis voir quelles sont les pistes d'amélioration possibles. Alors je vais expliquer en 3 points. Donc d'abord, il y a un tronc commun qui ne comporte pas de sciences. Alors il a 2 effets. D'abord, il ne donne pas envie de faire des sciences, puisque ça dit que ça ne compte pas les sciences. D'autre part, il conduit les élèves scientifiques à avoir des choix contraints, c'est-à-dire qu'on est obligé de choisir 3 choix sciences dans les spécialités, donc ça limite, et du coup, mécaniquement, il y a une baisse des effectifs sciences. Remédier à ça, ça veut dire obliger à davantage de sciences pour tous, en volume horaire. Voilà. Ensuite, il y a une perte de polyvalence scientifique en terminale. Et ça va impacter particulièrement les filles parce que ça va impacter les filières pluridisciplinaires, notamment en médecine, biologie, où il y a beaucoup de filles. Et la seule solution pour garder 3 disciplines en terminale, comme on doit abandonner une des 3, c'est d'abandonner les maths. Donc ça va impacter particulièrement les filles en maths. Pour remédier à ça, bien sûr, il faudrait maintenir cette polyvalence, ne pas éliminer cette 3e spécialité en terminale. Enfin, le dernier point, c'est que les maths sont plus élitistes qu'avant, puisqu'il n'y a plus qu'une seule offre, il n'y a plus rien pour les anciens profils ES, qui étaient aussi plutôt féminins. Donc ça aussi, ça aggrave les inégalités, plus ça aggrave aussi les stéréotypes de genre, avec tout pour les meilleurs, rien pour les autres. Donc pour ça, il faudrait traiter les maths un peu plus comme le français, au moins jusqu'au bac pour tout le monde, en adaptant les contenus. Alors, pour terminer, je voudrais dire que l'ajout de 1h30 de maths du ministère ne répond pas au problème, puisque ça n'agit pas sur les effectifs sciences, ni sur la part des filles en maths, ni d'ailleurs sur la réduction des inégalités globalement. Pour finir sur une note plus positive, je voulais vous parler de l'apparition des maths dans les médias l'année dernière. Et vous expliquer un petit peu à quoi, quel a été le rôle des sociétés savantes et de la communauté scientifique en général dans cette histoire. Donc on est dans un contexte mondial en mutation, avec des défis gigantesques, dont on sait que les solutions se trouvent du côté de la lutte contre les inégalités et du côté de l'amélioration des connaissances en sciences pour tout le monde. Et dans ce contexte, du coup, la formation mathématique est cruciale. Ce que savent bien les économistes et les industriels qui s'inquiètent du coup de la réforme et qu'on voit apparaître des articles à ce sujet fin 2021. Et dans ce contexte également, le collectif maths, la SMF et puis les autres associations de maths publient un peu par hasard une note sur les filles et les maths qui diffuse dans les médias et qui provoque un emballement médiatique qu'on a su saisir en étant réactif et qui a permis de poursuivre ce débat public avec l'ensemble des acteurs et de grossir notre collectif qui s'est élargi aux autres sciences et puis qui poursuit du coup son action encore aujourd'hui et qui est un bel exemple d'un dialogue entre sciences et sociétés. Voilà, je vous remercie. Je vois que j'ai tenu le temps.